Le prochain défi va vous demander de terminer une rencontre aléatoire. Donc les rencontres aléatoires, c'est tout simplement les personnages qui vont venir dans votre village ou que vous rencontrez sur la map de Fortnite. Donc, par exemple, ici, je vais parler au personnage Johnny Z, la vache. Donc, voilà, c'est un plaisir de vous rencontrer. Voilà, il me parle, tranquille. Et là, il va me demander de rejoindre mon camp, je pense. Donc voilà, il veut vivre dans mon village. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est tout simplement laisser une place de disponible dans votre village. Donc regardez, ici, j'ai une place de disponible pour un personnage. Donc ce personnage-là, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas lui donner de lit. Et comme ça, au bout d'un certain moment, lui va partir et ce sera un autre personnage qui va rejoindre. Ce que vous allez devoir faire, c'est de parler à plusieurs personnages comme ceci pour terminer la quête. Alors par contre, je vais quand même le prendre lui parce que j'aime bien son petit costume de vache. Donc oui, je vais lui dire ok. Donc là, je l'ai recruté dans mon village. Donc là, normalement, je peux lui demander de travailler. Ok, donc là, je vais donner une quête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un autre personnage. Donc un personnage qui ne m'intéresse pas. Par exemple, peut-être Poiscaï, je vais le supprimer. Je vais regarder si je n'en ai pas un autre. En fait, je vais quand même garder Poiscaï parce qu'il est quand même marrant comme personnage. Et je vais supprimer Tomato Head. Donc pour le supprimer, pour supprimer un villageois, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans votre totem. Ensuite, vous allez dans Résident. Et là, vous sélectionnez le personnage que vous ne voulez plus. Donc, je vais supprimer celui-là. Et j'appuie sur R3. Je maintiens R3. Voilà, et je lui demande de partir. Donc, comme je lui demande de partir, voilà, il disparaît. Hein. Et là, maintenant, ça me laisse une place supplémentaire pour un nouvel habitant. Donc maintenant, ce que j'ai à faire pour terminer l'entièreté du défi, c'est d'attendre que les personnages viennent à moi, dans mon village. Je leur parle, je discute juste avec eux et ça terminera une rencontre aléatoire. Après, si vous voulez accélérer les choses, vous pouvez prendre un véhicule et vous faites le tour de la map. Voilà, vous faites le tour de la map jusqu'à temps de trouver d'autres personnages sur la map et vous discutez avec. Et dès que vous aurez discuté avec énormément de personnages, hein, parce qu'il y a 20 étapes, je ne sais pas s'il faut discuter avec 20 personnages, voire plus. Il va falloir discuter avec beaucoup de personnages et dès que vous aurez parlé avec tous les personnages que le défi vous demandera, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.